Imagine un instant, t'as des milliards de dollars sur ton compte en banque. Tôt ou tard, les rêves deviennent réalité. Oh non ! La petite Mimi a disparu. Et ses maîtres sont prêts à payer une fortune pour le retrouver. Mais Amanda n'a pas le temps de penser aux problèmes des autres. Elle est sortie se promener. C'est une belle journée, n'est-ce pas ? Coucou bébé ! T'es là tout seul ? Mais t'es... le chien de l'annonce ? Le pauvre ! On va chercher tes maîtres. Ils doivent te chercher partout. Ta maison est là. Elle est magnifique. Bonjour ! Ouvrez ! Mimi, c'est toi ! Tu m'as tellement manqué ! Cette dame a clairement beaucoup d'argent. Et la récompense alors ? Oui, oui, bien sûr. Je donnerai 1 milliard de dollars pour mon chien préféré. Wow ! C'est une fortune ! Je suis riche ! Faut que je rentre chez moi. Maman va être trop contente ! Ma mère est très occupée, comme d'habitude. Mais avec cet argent, c'est sûr qu'elle va être super heureuse. Maman, regarde ce que j'ai ! Amanda, recommence pas ! Tu salis tout ! Je dois encore nettoyer. Mais maman, arrête ! C'est de l'argent ! De vrais billets ! On est riches maintenant ! J'y crois pas ! C'est une fortune ! Tu peux tout te permettre maintenant. Même une serpillière en or. Très bien ! À partir de maintenant, Sophie sera la femme au foyer la plus riche qui existe. C'est un rêve devenu réalité. Et la première chose qu'on va faire, c'est d'aller au restaurant. Le plus cher de la ville. Mais c'est pas si facile. Vous pouvez pas entrer. On a un dress code très strict. Et ces tenues sont trop cheap. Heureusement, on a une valise avec 1 milliard de dollars dedans. Ça peut te faire changer d'avis ? Désolée, pas cette fois. C'est dingue, ça ! L'agent de sécurité préfère laisser cet argent à ses cooks pour les empêcher d'entrer. C'est abusé ! Les gens d'ici sont trop chelous. Du coup, pour être sûr que tu puisses aller partout, tu dois bien t'habiller. On a de l'argent à dépenser. Pas besoin de faire les timides. Maman, regarde comme c'est mignon. On va rien essayer aujourd'hui. On n'a pas le temps. On va tout prendre. Et les bijoux aussi. Garde la monnaie, jeune homme. On est de bonne humeur aujourd'hui. Maintenant, on peut retourner au resto. La richesse d'Amanda et Sophie est si aveuglante. Bon, tu veux bien nous laisser entrer maintenant ? Bien sûr ! On voit tout de suite que ces nanas sont classe. Bienvenue dans notre restaurant. Mettez-vous à l'aise. Hé, serveuse ! On veut ton plat le plus cher. Ça marche ! Quoi ? C'est un mets hors de prix, ça ? Ça a pas l'air bon du tout. Laisse tomber ! Amanda, on va apprendre vos chefs ce que c'est que la vraie nourriture. Hé, donne-moi ça, je m'en occupe. Mélange, fouette et enfourne. Voilà, le délicieux gâteau de Sophie est prêt. Regardez ça. Servez-vous, mesdames et messieurs. C'est le meilleur dessert du monde. Prends-en de la graine. C'est comme ça qu'on cuisine. J'en ai tellement marre de mes vieux bijoux. Je vais en acheter des nouveaux. On veut que le meilleur. On est riche, tu sais. Les clients VIP méritent un traitement VIP. De l'or et des diamants. Excellent choix. Mais c'est tellement banal. Ces pendentifs sont super beaux, n'est-ce pas? Oh oui! Sophie a vraiment bon goût. Oh, celui-là! On va les prendre. Et garde la monnaie. Maintenant, la mère et la fille ont l'air hyper chic. Le prix en vaut la peine. Tu crois que ton bijou coûte cher? C'est rien comparé aux bijoux de Sophie et Amanda. Hors de notre chemin. Laisse passer les VIP. Tout le monde n'a pas la chance de trouver un toutou riche. Une sortie en famille au ciné, c'est une tradition. Et aujourd'hui, Sophie et Amanda sont à la première d'un film. N'importe quel film devient deux fois plus sympa si t'as de quoi grignoter. Maman ! Qu'est-ce qui se passe, ma chérie ? J'ai plus rien à manger. C'était rapide.
Ça fait que 10 minutes qu'on est là. Mais c'est ce que veut Amanda. Hey, j'achète la machine à pop-corn. Et dépêchez-vous. Mon bébé ne doit pas mourir de faim. Mange, ma chérie, c'est pour toi. Sauf que le reste du public n'a pas l'air ravi, étrangement. Qu'est-ce qu'il y a? Il est temps de prendre des mesures drastiques. Hey, je veux acheter toute la salle de ciné. Je peux me le permettre. Bien sûr, madame. Il y a une année entière de salaire juste là. Mesdames et messieurs, veuillez vous diriger vers la sortie. Maintenant, on peut mater la première en paix. Ah, c'est parfait comme ça. Et le plus important, c'est qu'Amanda soit heureuse. Faire du shopping en talons, c'est un vrai défi. J'ai trop hâte de rentrer à la maison. Mais Sophie y a pensé. Elle a acheté une voiture à l'avance. Ah, c'est mieux comme ça. Allez, viens, ma chérie. Oh, ça va pas comme ça. Viens, change de place, Amanda. Et puis, c'était pas une bonne décision. Amanda n'a même pas le permis. Ces deux-là ne sont pas faites pour conduire. On va devoir appeler un pro. Bonjour. C'est bien le meilleur chauffeur du monde? On a besoin d'aide. Voici le pro de l'autoroute. Prête pour l'aventure, mesdames? Bouclez votre ceinture. Oh non! Sophie n'aime pas aller aussi vite. Je crois qu'on va descendre ici. Amanda, pourquoi on marcherait pas? Comme tu veux, maman. Alors, enlève tes talons. Amanda adore vraiment les contes de fées. Maman, imagine un peu. J'aimerais tellement vivre dans un vrai conte de fées. Le bal, le prince, la pantoufle perdue. C'est trop mon rêve. Amanda est si créative. Je ferai tout pour mon enfant. Allô, oui? Le réalisateur de films? On a besoin de toi sur le plateau de suite. Évidemment, on va devoir payer beaucoup d'argent pour ça. Au moins, la mère et la fille pourront voir le conte de fées en vrai. Et même participer au tournage. Bouge de là! C'est mon prince. Prêt pour le baiser, beau gosse? Oh non! C'était clairement pas dans le script, ça. Mais c'est quel genre de prince? Maman! Il est temps qu'on redécore la maison. Comment tu trouves cette déco? Non, ça fait trop cheap. Tu penses quoi de ça, alors? Ouais, c'est pas top non plus. Et comme ça? Non! Oh, je sais! La mère et la fille ont tellement d'argent maintenant. Elles pourraient couvrir toute la pièce de billets. Cette couverture en dollars est incroyable. Tellement cosy. Maman, tu veux bien me lire une histoire? D'accord, écoute bien. L'or et les diamants, c'est les meilleurs investissements. C'est très intéressant. Amanda a une maman si attentionnée. Ah, quelle belle matinée. Le soleil est doux, les boissons sont fraîches. Le monde entier est à tes pieds quand t'as une valise pleine d'argent. En parlant d'argent, maman, j'ai plus de limonade. Attends, ma chérie. Je vais juste te prendre de l'argent. Oh oh! C'est le dernier billet dans la valise en or. On n'a plus d'argent? On va faire quoi? J'ai une idée. Tant que le petit Mimi traîne toujours dans les parages comme ça, pas besoin de se soucier à travailler du tout. C'est décidé. À partir de maintenant, on capture les chiens riches. Viens avec moi, Amanda. T'as aimé notre vidéo sur la vie de riche? Tu ferais quoi, toi, avec 1 milliard de dollars? Dis-le-nous dans les commentaires. Et n'oublie pas de liker cette vidéo, de t'abonner à notre chaîne et de cliquer sur la cloche pour ne pas manquer les nouvelles histoires sur les différents modes de vie sur Troom Troom.